Bullseye. Yo les gamers, yo les gamers, c'est Bobios, comment allez-vous? Moi ça va nickel, aujourd'hui on va se retrouver pour la solide noire de la semaine, qui n'est autre que le Nexus. L'atout qui va faire le plus mal cette semaine, ça va être l'Abysso. Donc là ils vont vraiment être contents, vont pouvoir utiliser enfin l'épilogue d'Athéon, si vous l'avez. Si vous l'avez pas, bon bah, essayez de trouver les armes qu'il faut. Moi ça va, j'ai regardé, je viens de faire mon petit stuff là. Je suis bien équipé, l'épilogue d'Athéon, le sniper du cabot du raid quoi en gros. Vengeance de Pradit qui est aussi Abysso. Et cette batteuse. Voilà, donc je vais m'équiper de tout ça. J'ai une petite astuce pour vous aussi à vous donner avant de lancer ce petit assaut. Qui consiste en fait à parler du raid. Voilà. Donc pour ce qui est du raid, tous les mardis, vous savez, à 11h, qui était avant et maintenant avec le décalage horaire, c'est à 10h, vous avez la mise à jour en fait qui vous refait mettre tout à jour au niveau du raid. Donc j'ai une petite astuce pour vous, c'est d'avoir une sauvegarde du boss en level 30, de vous connecter une petite heure, une demi-heure avant la mise à jour. Donc en gros, vu que c'est à 10h, c'est à 9h30, vous vous connectez à 9h, 9h30, vous mettez sur le raid, vous attendez qu'un ami qui se connecte après 10h, 10h10, fasse la mise à jour et vous rejoigne. Vous vous suicidez tous les deux, au pire vous vous faites tuer par Athéon, tout simplement. Une fois que cela est fait, votre ami, pour regarder vraiment s'il est sûr d'avoir la sauvegarde, part, lance le raid dans le level 30 et regarde s'il a bien la sauvegarde. Si c'est fait, vous le rejoignez, vous en faites autant, bien sûr après avoir mis la mise à jour, hein, sinon vous ne l'aurez pas. Vous vous déconnectez de Bungie tout simplement, vous le rejoignez, vous vous suicidez ou vous faites tuer par Athéon, et vous avez la sauvegarde du boss dès après la mise à jour du mardi à 10h. Donc moi ça va, je suis assez bien, j'ai mes 3 persos. Donc j'ai déjà en fait, on est mardi, il est quoi, 11h30, j'ai déjà la sauvegarde du boss 30 en 3 fois. Ce qui est vraiment avantageux. Bon, c'est vrai que j'ai pas les coffres, ça je vais le faire, je vais avoir toute la semaine pour le faire. Mais si vous voulez avoir une chance très rapidement pour les presser, d'avoir l'arme Vex ou un casque ou le vaisseau ou le passereau, les trucs qui sont vraiment bien face au boss, il y a cette astuce là, tout simplement. Donc maintenant, nous allons partir à la vidéo, tout simplement. allez, partons en orbite. Destination, à sonnet noir de la semaine. Les ténèbres s'agitent tandis que les Vex déchirent le tissu de l'espace-temps. À l'intérieur de leur nexus situé sous la surface de Vénus. Donc voilà, hein, comme je vous disais, les dégâts abysseront sont nettement augmentés, quelle que soit leur source. Donc l'épilogue de Théon va vraiment faire très mal. Ça c'est bien, hein. Si vous l'avez équipé en plus à fond. Voilà, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je vais essayer de trouver la technique pour... J'en connais une, hein. On va voir si ça se passe très bien, sinon j'essaierai d'en trouver une autre. J'en connais deux. Je vais pas vous mentir, je connais deux techniques face au Nexus. Voilà, je me suis baissé un peu le son du jeu. Donc ouais, tout d'abord, j'aimerais remercier mes abonnés, hein. Ça monte, bientôt 200. Donc je ferai une petite vidéo spéciale remerciement pour 200 abonnés. Donc déjà un grand merci à vous. C'est vraiment cool. En plus, toujours que des bons trucs, des bonnes critiques sur ma chaîne, donc ça fait vraiment plaisir. Bon, je vais pas traîner ici, on va avancer, hein, bien sûr. Ah, ça c'est fait. Donc la première étape qui va être un petit peu dure, c'est celle-ci, hein, avec les 3 serviteurs, donc il va falloir rester pas mal au début. Oui, est-ce que j'ai pris des munes? Bonne question. Est-ce que j'ai pris des munes? Oui, ça va. Je suis bien. J'ai ce qu'il me faut au moins pour mon arme épilogue. Allez, on va essayer de sniper tout ça. Voilà qui est fait. Voilà. Un petit peu de mal, mais c'est passé. Bon, on va attendre quand même que la vie remonte. Tranquillement, mais sûrement. Bon, les serviteurs, ça va être assez simple. Voilà.
Ça c'est fait. Je peux me... Oh joli ça. Ça gagne bien mon radar quand même. Les petits collecteurs. Voilà, c'est ça que je cherchais le... tout à l'heure. Les collecteurs sont vraiment assez casse-couilles. Alors par contre, voilà, j'ai un cheat que j'en ai un derrière mon cul. Là, il faut regarder toujours son radar. Hein. Là, il n'y a pas à chier. Franchement, vous me dites que vous y arrivez pas, c'est que vous y mettez de la mauvaise volonté. Voilà, 3 balles de snipe pour un capitaine en ultra. Il va se cacher le sol. Là, j'en vois un là. Non, je... Donc même ce qui me semblait le plus dur est simple hein, en retour. Je m'attendais au flageolateur en fait, hein, je vais pas vous mentir, pour cette mission. Et non, ils ont remis le Nexus. Donc est-ce que l'assaut avec les flageolateurs a déjà été mis, ça je ne sais pas. Parce qu'au début, bah, toute première semaine, je n'avais pas le level hein, pour pouvoir le faire. Mais j'ai commencé, tout premier assaut nuit noire, c'était bah, le Nexus. C'est le tout premier que j'ai fait, j'avais pas fait de vidéo d'ailleurs dessus. Donc ça tombe bien. Et pourtant cette semaine, qu'est-ce que j'en ai bouffé des flageolateurs. Je me préparais et tout. Et en fait, cadeau. Le Nexus prend des forces. Ouais, bah, je crois qu'il va lui en falloir parce que j'arrive. On va aller manger sa maman. Donc j'espère que cette petite astuce du raid là que je vous ai expliqué au début n'aura pas été trop compliqué à vous expliquer et que vous aurez bien compris le sens de la démarche. Aussi, bah, n'hésitez pas à mettre des commentaires, hein, dites-moi ce que vous pensez un peu de tout ça. Dites-moi aussi, parlez-moi de ce que vous pensez des connexions en ce moment de Bengi. Je trouve que Destiny a pas mal de problèmes au niveau des sons. Hein. On a beaucoup de bugs de son, ça m'est arrivé encore cette semaine de faire le raid et de ne pas avoir le son. Donc on n'entendait pas les oracles spawner et bah, game over. Donc c'est assez galère, surtout pour un level 30. Ça peut être assez énervant, parce qu'il n'y a pas de checkpoint avant les oracles face aux templiers. Donc ce serait bien que Bungie répare ces trucs, parce que c'est quand même du temps passé là-dessus. Et puis si à cause de Bungie, bah... on échoue, et là c'est de la faute de Bungie, hein. C'est leur serveur qui fait ça. Si encore ça arrivait à une seule personne sur 100, je comprendrais, mais là j'ai beaucoup de mes contacts à qui ça arrive. Et ça c'est galère. Allez, viens voir Coco. Boom. What the fuck? Sors d'où ça là? Ils ont voulu m'avoir par derrière, mais énorme quoi. J'étais bien et tout, et ils ont voulu me shield, mais que dalle, que dalle. Vous m'aurez pas, bonne salaud. Toi je te vote. Hein. Bon, il y a les minots là-bas. Les minots qui vont arriver. Monte, monte toi. Bon, les minos, je l'ai fait à quoi? Au snipe. J'ai tellement d'armes en fait, je sais même plus par quoi commencer. Je me suis pas encore mis la batteuse entre les mains. Hein. Vous pouvez voir que franchement c'est facile. Hein. Bon allez, les minos c'est fait. Là-bas il y a la vague qui va arriver. De toute façon, à force, les missions, qu'il ne les connaît pas par cœur. Vivement le mois de décembre, hein, vous me direz. Vivement le mois de décembre, pour qu'on puisse avoir du nouveau contenu. De nouvelles missions. Un nouveau raid. Pour ceux qui ne sont pas au courant, hein, j'ai mis une vidéo sur le stuff. Du raid qui arrivera dans le DLC The Dark Below. Hein.
donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil sur mes vidéos. De toute façon, j'ai une playlist où il n'y a que du Destiny. Vous y trouverez ce que vous voulez. Glitch, coffre, spawn kill, loot cave, on peut plus trop appeler ça du loot cave, moi j'appelle ça plutôt un loot XP, avec un peu de d'orbe de temps en temps, avec les mises à jour qu'il y a eu. Et voilà. Donc là on va arriver, là où il y a un paquet de monde, et là franchement l'épilogue, en gros c'est jouer à l'épilogue. Hein. C'est tout la game à l'épilogue. Voilà, est-ce que c'est fini? Je crois que oui. Non, il en reste quelques-uns. Oh, une belle bleue. Bon, ça valait pas tomber. J'en connais plus d'un qu'on a perdu leur boule. Donc, bah, on arrive face au Nexus. Excusez-moi, je regardais l'heure. J'ai ma petite femme qui va pas tarder à arriver. Oui, on va arriver au Nexus, je vais vous expliquer les deux techniques. Donc la toute première, je vous conseille de bien vous équiper en armes lourdes. Soit bazooka ou sulfateuse en gros. Parce que pourquoi? Parce que je vais rester ici, pour la première technique, je vais rester ici, là, niquer tous les petits trucs en bas. Et là, je vais avoir un minot qui va arriver à chaque fois derrière moi. Donc il suffira juste de l'aligner. Et après, vous concentrez sur le Nexus, mais toujours avoir un œil derrière soi, sinon vous allez game over très vite. La deuxième technique, elle est en bas en fait. Il suffit de se caler derrière, en fait, vous voyez des piliers, il y a des endroits où on peut se caler derrière. Et je crois, si je me trompe pas, que c'est celui-là. Si vous voulez vraiment voir la deuxième technique, demandez-la moi, je vous la montrerai. Ou je vous la montrerai sur une prochaine fois qu'on aura le Nexus. Là, je vais me consacrer sur celle-là. Donc vous verrez la première, elle est pas mal franchement. Ça n'est pas compliqué quoi. Donc tout d'abord, ben voilà, pose. C'est moi qui voulais poser. Elle était posée à genoux, normal, tranquille, pépère. Allez. J'ai voulu faire un rime, mais je vais pas être vulgaire. Ouh, elle était belle celle-là, non? Ouais. Bonjour les copains. Donc une petite technique aussi pour le minot. Qui va respawner, c'est le boucalé là à peu près. Parce que la plupart du temps, il tire sur le caillou, ça évite qu'il vous touche. Voilà, ça c'est fait. On attend que la vie remonte. Merci. Donc là, il doit plus rester grand chose, hein, au Nexus. Je pense que la prochaine lui fera pas du bien. Voilà, vous avez vu, hein, tout est parti sur le caillou. Donc là, bah, je reçois une invitation parce que je suis en solo. Je vais pas s'arrêter tout de suite. Et oui, voilà les amis. Et voilà, la Sony noire en solo, saisi. Franchement, l'épilogue d'Athéon est l'arme que je vous préconise si vous l'avez. Donc voilà, ça c'est fait. Donc je vais vous faire voir un petit peu mes récompenses. Je vous dis, bah, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, hein, comme d'hab. Encore un grand merci à ceux qui me suivent et bienvenue à toi, gamer ou gameuse, si tu viens d'arriver. Et si mes vidéos te plaisent, bien sûr, hein. C'est simple. Bon, on attend la récompense maintenant. Qu'est-ce que je vais avoir? J'ai une ici, pas. On se pose en mode pépère. Ça, j'aime bien faire ça, les mecs. Allez, ça y est, le boulot est fini, on se pose. Hein. Et la récompense? Merdique, pas merdique. Pas merdique du tout. Qu'en pensez-vous? Un petit bazooka, hein, c'est ça. Hein. Je vais vous le faire voir et je vous abandonne juste après. Et voilà les amis, le bazooka Xalahorn. Voilà ce que j'ai récupéré pour mon tout premier assolet noir. Hein. C'est sympathique, je trouve, il a une belle gueule. Petit emblème et tout. Fait penser un petit peu
Ah, la poupée vaudou avec sa tête de mort là. Mais bon, la poupée vaudou, je pense que si vous la connaissez bien, c'est une âme de merde. Et voilà les amis, je vous dis ciao ciao, portez-vous bien, peace!